suis dans la pastorale depuis 31 années. J'ai vu ces 10 dernières années des gens attraper le sida et amener ça chez eux à la maison. Une petite aventure de quelques minutes. Quand j'étais pasteur titulaire à l'église, chaque dimanche, je pouvais voir 50 séropositives que je connaissais. Vous savez, nous, les pasteurs, on a des secrets professionnels. Je me souviens d'un jeune homme de l'église qui était toujours avec une veuve. Et cette veuve, c'est sous un tri rétroviraux, forte comme ça. Et je voyais toujours, vous savez, quand quelque chose commence entre les gens, vous sentir. J'appelle ce jeune homme, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Il me dit, pasteur, dixième don spirituel et soupçon. Mais quand les gens commencent à tricher, on sait sentir. 3 jours après, j'appelle cette femme au bureau. Je dis, je te vois avec tel jeune homme. Il me dit, oui, il m'a fait la cour. Et vous avez déjà triché, oui. On est allé, attends, 7 fois. Avec protection seulement la première fois. Mais je dis, est-ce que tu lui avais dit que ton mari était mort? Et... Non. Moi, j'ai la foi que Dieu m'a guéri. Mais j'ai cette foi de la guérison, est-ce que tu l'as communiqué à ce jeune homme? Le lendemain, j'appelle le jeune homme. Je dis, toi, tu me disais dixième don spirituel et soupçon. Mais maman vient de me dire, oh, elle t'a tout dit. Mais je dis, elle a encore une autre information à te dire. Maman, dis-le. Oh, mon mari. N'a qu'au beau maillot, je dis. Je prie que Dieu nous garde de ces choses. Au-delà de la communion, nous pouvons briser notre avenir.